Oui. Merci Rémi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ne quittez pas, vous avez demandé les vraies voix, ils sont là, ils arrivent, elles sont là, puisque ce sont des vraies voix, absolument. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous? Écoutez, très bien. En pleine forme. Très content. Il fait froid dehors, mais il y a une telle chaleur dans ce studio, mais chaleur humaine, je parle bien évidemment, qu'on se sent bien. Vous êtes bien habillé en Friday wear. Mais Friday, c'est mercredi. Non, c'est pas mercredi, mais vous mais êtes aujourd'hui quand même, c'est mercredi. Mais vous êtes quand même en Friday wear. Ah bref, je voilà. Savais pas ce qu'était le Friday wear, m'avait appris un truc. Et ben voilà, c'est le vendredi magnifique. Où on est un peu plus dans la coolitude. Ah ben la coolitude, je connaissais la bravitude, c'était Ségolène Royal. On invente des mots avec les vraies voix, quoi qu'il en soit. Il y a la minibusitude, la davititude, la biligéritude. Vous savez, non, moi je ne lance malheureusement pas de mode. J'aimerais bien, mais je ne suis pas assez câblée pour et assez connue pour en tout cas envoyer du lourd. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. 0826 300 300, c'est ce numéro de téléphone. Bien entendu, si vous voulez commenter cette actualité avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous retrouver un petit peu partout, vous le savez. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Et vous pouvez vous inscrire. Tiens, 2024, on s'inscrit à notre chaîne YouTube. Et on va en parler dans un instant avec nos vraies voix du jour. Allez, au sommaire de cette émission. Le grand débat du jour, c'est à 17h30. Un appel du pied très appuyé aux classes moyennes pour le premier jour de Gabriel Attal comme Premier ministre. Dès son arrivée à Matignon, il a salué ces classes moyennes qui, selon lui, se lèvent tôt et qu'on n'entend pas souvent. Des propos réitérés un peu plus tard auprès d'une commerçante du Pas-de-Calais, Philippe. Alors, parlons vrai. 72% des Français estiment faire partie des classes moyennes. Est-ce que ce sont les gros bataillons électoraux à aller reconquérir? Est-ce qu'en parlant des classes moyennes, mais pas des classes populaires, qui votent massivement pour le Rassemblement National, Attal ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Est-ce que c'est la bonne méthode, pour en finir avec le déclassement des classes moyennes? À cette question, les classes moyennes, priorité affichée du gouvernement Attal, est-ce une bonne chose? Vous dites oui à 77%. Et puis le coup de projecteur à 18h30, le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire, se réjouit Gabriel Attal, 34 ans. En prenant ses fonctions hier, le nouveau chef du gouvernement veut y voir le symbole de l'audace et du mouvement, un geste de confiance envers sa génération. Alors oui, parlons vrai. Selon vous, est-ce que l'âge c'est un atout ou est-ce que c'est, quand on est quand même très jeune, la marque d'un manque d'expérience? Est-ce que pour vous, Attal sera capable de composer une majorité plus stable avec des politiques qui ont quand même beaucoup plus d'expérience que lui? Attal, Bardella, l'expérience est-elle démonétisée en politique? Eh bien, vous dites oui à 74%. Et on en parlera avec notre expert, Jean Petaut, qui sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger pour commenter cette actualité. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir, cher Cécile. La bilgéritude. Le style. Je ne peux pas me mettre sur le même plan que Ségolène, que j'adore. mais c'est un. Philippe Bilger, c'est un style. Oui. On est d'accord. Oui. Il y a des gens qui disent, moi, quand je serai grande, j'aimerais bien être Philippe Bilger. Oui, voilà, mais c'est ça. Franchement, ils ont des goûts trop modestes. Non, vestimentairement, c'est un mix entre Jean-Paul Gaultier et Christian Dior. Qui? Vous. Ah bon, on m'avait comparé à Richard Nixon à cause de ma calvitie. C'est pas mal aussi. Olivier Dartigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier Dartigol. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix et belle année. Dis donc, vous avez démarré un nouveau cahier. Oui. C'est le cahier 2024. Regardez comme je suis scolaire. Oh, ah oui. Il a ses deux petits cahiers, le cahier vert et le cahier rouge. Ah oui, rouge toujours. Rouge et vert, pourquoi? C'est quoi la différence? Il y en a un qui vient de Cannes. C'est un peu compliqué. Non, on ne veut pas désordre, mettre votre cerveau en désordre. Il pense contre lui-même, il a deux cahiers. Oui, c'est ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. François Pupponi est avec nous, ancien maire de Sarcelles et ancien député. Bonsoir François. Bonsoir. Pas de cahier, très moderne. Meilleur vœu. Très bon. Vous aussi. Pas de chez Salut. Exactement. Et ce numéro de téléphone, 0826 300 300, que vous composez tous les jours. Et merci beaucoup. Juste avant, notre Didier du jour qui est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et qui nous appelle de Paris. Comment ça va Didier? Ma foi, pas trop mal, ça va. Bon, écoutez, très bien. Vous travaillez dans un cabinet de conseil. Vous conseillez quoi et qui? À des gens qui ont des boulots parfois difficiles. J'entendais qu'il paraît qu'il y a une catégorie de Français qui se lève tôt le matin. Ouais. Peut-être que cette catégorie-là y appartient. Ah, ouais, très bien. Et on va parler de quoi dans un instant avec vous? D'un cadeau peut-être 2024. On parle
des classes moyennes qui sont certainement plus taxées que d'autres, oui. Qui contribuent peut-être plus que d'autres. Et là, il y a un nouveau rendez-vous qui arrive. On a parlé pendant plusieurs mois. Le temps passe vite. C'est le prix d'électricité. Ah oui, qui va encore monter. Ouais, bah, bougez pas. Je vois dans le cadre de mon activité professionnelle ce que ça fait comme dégâts tous les jours, et ça devrait continuer si ce prix augmente encore de 10% dans quelques semaines. Oui. On va en parler dans un instant, vous bougez pas. Avant tout, petit répondeur, le 0826-300-300, on l'écoute. Bonjour Sud Radio, c'est Hakim de Vaujour, très bonne année. Portez-vous tous bien, vous et ceux que vous aimez et que vous aimez. Bon, en tout cas, moi je voulais juste vous dire bravo amis français, vous avez choisi votre premier ministre au berceau, vous avez choisi votre président de la République à la maternelle, sous les jupes de maman, franchement, bravo. Mais vos leçons, s'il vous plaît, vous pouvez les garder pour vous, franchement, ce serait très sympa. Parce qu'alors franchement, s'il y a quelqu'un qui n'a rien à dire à qui que ce soit, c'est la France. Regardez-vous. Vous êtes dirigé par des bébés quand les États-Unis, eux, ils sont dirigés par des vieux croulants. Personne n'a de quoi être fier, ni vous ni les Amerlocs. Hein. Vraiment. Regardez-vous, regardons-nous tous, parce que c'est pas joli. Allez, bonne année. Eh ben dis donc, ça c'est cash, mais est-ce que c'est vrai que c'est pas des deux côtés de l'Atlantique ? Attal plus Macron, c'est plus jeune que Biden. Est-ce que quelque part, c'est pas devenu un peu une gérontocratie, les USA, une... Sûrement, mais j'espère que des justes milieux peuvent exister. Mais ça me désole tout de même, parce que je suis complètement exclu, si je comprends bien. J'appartiens au cercle des gérontocraties. Mais non, mais pas du tout. François Buponi, oui. Forcément, quand on entend ça, c'est dur, hein. J'aurais voulu poser la question de savoir de quelle nationalité il était. Oui. Il parle français, bon, voilà, bon. Après, sincèrement, voilà, il y a un rajeunissement, mais qui n'est pas propre à la France. Hein. Quand on regarde un peu l'ensemble de démocratie, il y a une nouvelle génération grève, et c'est normal. Là, effectivement, le président Macron a fait le choix, dès 2017, de dire le vieux monde, c'est terminé, et on va inventer un nouveau monde. Ouais. Qui est balbutiant, et qui a pas toujours que des bonnes solutions, et ça pose parfois des problèmes. Mais c'est un choix qui est celui-là. Oui, mais un nouveau monde n'est pas qu'avec des jeunes ou qu'avec des vieux. Le choix du président Macron, c'est de dire tout ce qui existait avant, c'est le vieux monde, il faut que ça disparaisse. Jeunes et vieux en même temps. Philippe, profitons-en, on a plus beaucoup de temps. Et on donne le pouvoir à une nouvelle génération. Oui. La nouvelle génération, elle est là, Olivier Dartigolle. Le fait qu'il y ait du renouvellement, y compris générationnel, est plutôt gage de santé démocratique, à condition de ne pas tomber dans le jeunisme. Et j'espère qu'on pourra assez vite passer à autre chose que l'âge. Ce président très jeune a besoin, pour rebondir, d'aller chercher un Premier ministre le plus jeune de la Ve République. Mmh. Donc on voit bien que quand bien même Emmanuel Macron était très jeune en 2017... Il a besoin aujourd'hui, pour lancer son second quinquennat, de faire peut-être une opération de com'. Moi, je souhaite que ça ne soit pas uniquement une opération de com', mais une politique véritable. On en parlera, bien entendu, tout au long de cette émission. Et retour avec notre ami Didier de Paris, avec cette facture d'électricité qui devrait tomber assez rapidement et qui va encore augmenter. Oui, absolument. C'est une situation, j'espère que les nouveaux dirigeants, ce nouveau Premier ministre, enfin ainsi de suite, vont s'attaquer très vite à ce problème-là. Ouais. On en parlera, bien entendu. Hein. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, cher Olivier. On fait réagir rapidement, Olivier Dartigolle. Il faudra poser en grand les élections européennes du 9 juin pourront peut-être nous le permettre, le marché européen de l'électricité, le fait qu'il soit connecté au prix du gaz, qui est quand même une aberration. Et j'espère qu'on pourra donc en traiter sérieusement dans les mois qui viennent. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, les trois mots d'un actu, ce sera avec Félix Mathieu. Et puis le réquisitoire du procureur avec notre Philippe Bilger. On parle de quoi avec vous, monsieur Contre le procureur ? Contre la politique du pire. Ah, bah écoutez, voilà. Ça va être pour le meilleur. Ouais, on espère. J'espère. C'est les vrais mots jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone 0826-300-300. Et merci à nous écouter tous les jours. À tout de suite, les vrais mots Sud Radio. 7h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h avec un bon casting encore aujourd'hui. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Olivier Dartigolle, chroniqueur politique. Et François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député. Pour commenter cette actualité, ce sera un peu politique aujourd'hui. Il nous fallait des éléphants, comme on dit. Hein, voilà, ça les fait marrer quand même. Il n'était pas éléphant au PS quand même, François Pupponi. J'étais éléphanto. Éléphanto. Ah, oui. C'était Dumbo, c'est ça. C'est très joli, les éléphantos. C'est avec les éléphantos, c'est vrai.
c'est, oui. C'est très joli. Dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix, Mathieu. Bonsoir Félix, bonsoir. On parle de quoi ? On va parler de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin qui sont en visite dans un commissariat en pleine discussion sur la composition du futur gouvernement. Tiens. On va parler aussi du deuxième jour du procès Théo avec le policier, le principal accusé qui affirme s'être adonné un geste enseigné à l'école de police. Et puis de ces 7 départements qui sont en vigilance orange au froid ce soir, notamment 6 dans le sud. Restez avec nous dans un instant, Félix Mathieu. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Vraie Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est contre la politique du pire que vous voulez requérir, Philippe Bilger. En effet. Alors, depuis 2 jours, je défends Gabriel Attal. J'ai des assauts très vigoureux et parfois convaincants qui me reprochent de tomber dans une sorte d'Attalamania. Et au fond, les Français, d'ailleurs, c'est intéressant, ils ne sont pas emballés par ce nouveau Premier ministre. Et je me demande s'ils ne sont pas lucides, si au fond ils n'ont pas peur qu'il n'ait pas la compétence suffisante pour être à Matignon avec tout le savoir qu'implique un poste de Premier ministre. Il n'en demeure pas moins que, de mon point de vue, et comme je suis procureur, je suis écouté pendant quelques secondes, eh bien, je trouve que Gabriel Attal, à tort ou à raison, représente un espoir par rapport à un milieu politique qui, jusqu'à aujourd'hui, ne brillait pas par son talent ni sa qualité. Alors, il a quitté trop vite l'éducation nationale, après avoir mis en place beaucoup de chantiers. Matignon, c'est autre chose. S'il parvient à relever le défi de cet enfer, entre guillemets, eh bien, on pourra augurer le meilleur de lui, mais on ne sait pas. Donc, mais tout de même, il vaut mieux espérer lorsqu'on a quelqu'un qui tranche un petit peu sur le plan de la politique et pas seulement sur le plan de la communication. Il me semble qu'on exagère en le réduisant avec un peu de mépris à un homme qui ne serait doué que pour communiquer. Olivier d'Artigolle. Oui, sur la conclusion, je suis d'accord avec le procureur, mais de toute manière, les échéances vont vite arriver et elles sont nombreuses. Il devra prendre position concernant les arbitrages du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, ça c'est le 25 septembre. Quid de l'AME concernant les engagements pris par Elisabeth Borne? Bruno Le Maire, encore lors de ses vœux, a fait une offensive assez forte sur la manière d'aller de ce 7% de chômage à 5%, notamment en ciblant de nouveau, ce que je trouve inacceptable, les seniors, pour durcir encore les conditions de l'assurance chômage les concernant. Donc les rendez-vous sont là. Ah oui. J'ai tendance à dire que je n'aime pas en effet le fait qu'on puisse le réduire à l'art de la communication politique, quand bien même il a pu en jouer pour beaucoup. Donc nous verrons, tout ça est ouvert. François Pupponi. Bon, écoutez, moi je le connais bien depuis longtemps. Hein. Il était jeune strauss-kahnien, ensuite chez Moscovici, et je l'ai connu moi quand j'étais député, il était assistant parlementaire de Marisol Touraine. Oui. Bon. Et puis quelques mois après, il était ministre. Bon. Donc c'est quelqu'un de brillant. C'est un fin politique. Donc il est à la fois très jeune, mais il a une expérience politique parce qu'il est né dedans, c'est sa passion, c'est sa vie. On verra s'il est effectivement compétent, parce que jusqu'à présent, avec toutes les qualités qu'il a, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie, il n'a rien démontré au niveau de la compétence. Il a été dans des ministères, il était un bon ministre du budget, mais voilà. Et donc on va le voir maintenant à la tâche. Le président de la République, qui fait un pari qui est audacieux. Si ça passe, il le dit d'ailleurs. Oui. Si ça passe, il va atomiser tout le monde. C'est-à-dire qu'il est candidat en 2027, il a celui qui montre qu'on peut être jeune sans avoir forcément toutes les formations, ne pas être un énarque et réussir. Donc c'est un espoir donné beaucoup, et c'est la fin un peu de la technocratie. Et donc voilà, et s'il échoue, il reste grand chose à dire. Mais voilà, allons-y. Voilà, moi je partage ce que dit le procureur, allons-y. Non, pas beaucoup. De toute façon, on va en reparler. Il faut espérer, mais je répète, il va en surprendre plus d'un. Sur la forme, oui. Sur le fond, on verra. On verra. En attendant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. Et trois mots dans l'actu qui sont Félix, déplacement, matraque et froid. Deuxième jour et deuxième déplacement comme Premier ministre pour Gabriel Attal. En attendant l'annonce de son gouvernement, il rendait visite à des policiers en compagnie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un coup de matraque enseigné à l'école et légitime la ligne de défense du policier accusé au procès de l'affaire Théo. Et puis six départements du Sud placés en vigilance orange entre le Cantal et l'Hérault, en plus toujours du Pas-de-Calais plus au nord, avec la galère des petites communes rurales sans déneigeuse. Les vraies voix Sud Radio. Tiens, 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 le nouveau Premier ministre Gabriel Attal se déplaçait avec Gérald Darmanin tout à l'heure cet après-midi dans un commissariat du Val d'Oise à Ermont. Je dis ça, je dis rien. Le même Gérald Darmanin qui, en pleine discussion sur le nouveau gouvernement, estime ne pas avoir terminé sa mission comme ministre de l'Intérieur. Un indice sans doute sur sa reconduction place Beauvau. Mais au commissariat, le nouveau chef du gouvernement, Gabriel Attal, voulait surtout adresser un message aux Français. Après les inondations et les classes moyennes hier, la sécurité aujourd'hui. Partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers, il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. Et c'est des actes que je veux rappeler. Un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 force de sécurité. Gabriel Attal tout à l'heure au commissariat d'Hermont dans le Val d'Oise aux côtés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc c'est une officialisation pour vous, Philippe Bidger, forcément. Oui, c'était intéressant que pour ceux qui pouvaient le voir. Le rapport entre les deux, manifestement, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Non, hein, non, c'est non, très non, clair. Non, non, non. Et Gérald Darmanin avait du mal à cacher sa bouderie, quoi. Ouais. Et puis Gabriel Attal, au fil des discours, je le trouvais un petit peu dans une posture qui n'était pas loin de ressembler au contraire des vraies voix, c'est-à-dire à un petit peu d'ennui. Ah, ah déjà. D'accord. Il y a un jeu, enfin, j'exagère peut-être. Il y a un jeu psychologique sur le terrain de l'autorité. Je ne sais pas si vous avez noté la phrase de Gérald Darmanin hier en disant je reste parce que j'aime bien terminer le travail qui est engagé. Ce qui était une petite pierre dans le jardin parce qu'il de y a encore Gabriel à faire. Attal. Allez. Oui. Comme à l'éducation. Pardon. Oui, non, moi j'attends de voir si effectivement Gérald Darmanin reste au gouvernement. J'attends de voir. Ah, d'accord, ok, très bien. Bah, écoutez, bougez pas. Deuxième mot. On voit bien qu'il y a de la tension, que c'est pas simple pour lui. Il a un choix à faire, mais j'attends de voir. Allez, la composition deuxième du gouvernement. Mot. Matraque au procès de l'affaire Théo, hein, le principal policier accusé qui met en avant un coup de matraque enseigné à l'école de police. J'ai conscience que c'est une blessure grave. Je souhaiterais renouveler ma profonde compassion, avance le fonctionnaire de police âgé de 34 ans. 7 ans après cette affaire Théo, ce coup dans la zone rectale qui a causé une infirmité irréversible au jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Pour autant, devant les assises de Seine-Saint-Denis, le fonctionnaire évoque un coup légitime. Enseigné à l'école de police, c'est aussi l'avis de Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat de police, unité SGPFO, présente à l'audience en soutien des trois accusés. Ça, c'est vous qui dites que c'est disproportionné. Quand vous interpellez une personne qui se rebelle, qui fait 30 cm de plus et 30 kg de plus que vous, vous avez le droit à la force dite légitime. Donc si on a eu entre les mains la possibilité d'utiliser un bâton de défense, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Qu'ensuite, un geste puisse riper ou pas, ça c'est la justice qui va le dire et qui va définir les intentions ou pas des policiers. Dans l'absolu, on est quand même aujourd'hui, vous êtes tous présents parce que vous estimez que c'est le procès de policiers qui aurait violé. Sauf qu'en fait, tout le monde s'est planté. Il n'y a pas eu de viol. Il y a eu une interpellation avec une blessure qui amène une infirmité permanente et c'est la seule raison de ce procès aux assises. Il a été démontré qu'il n'y a jamais eu volonté ni de viol ni de provoquer cette infirmité permanente. Linda Kebab du syndicat de police unité SGPFO au micro de l'agence France Presse. Troisième mot, froid. 7 départements placés en vigilance orange, dont 6 dans le sud du pays. L'Aveyron, l'Aude, le Tarn, le Cantal, la Lozère, le Puy-de-Dôme désormais en orange. En plus du Pas-de-Calais, les chutes de neige ont surpris tout le monde ces derniers jours dans l'Hexagone. Une situation qui met souvent en difficulté les petites communes. Première solution, eh bien le système D, comme Didier Caminade, le maire de Cuzon dans le Lot-et-Garonne. Chaque commune fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose. On n'est quand même pas équipé ni de sableuses ni de déneigeuses. On fait avec les moyens du bord, donc les endroits les plus critiques en sable, on fait à minima, quoi, parce qu'on ne peut pas maintenir un service d'astreinte. On n'est pas, disons, un territoire vraiment équipé, c'est le moins qu'on puisse dire. On fait intervenir quelquefois les agriculteurs avec des raquettes devant là, dont ils se servent pour accueillir le fumier. On les fait intervenir comme ça, quoi. Mais on peut pas nous s'équiper avec des moyens extraordinaires qui vont servir tous les 10 ans ou 15 ans.
Le maire de Cuzan dans le Lot-et-Garonne, Didier Caminade, joint par Clément Arion pour Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure après 18h et puis on va revenir sur l'arrivée du nouveau Premier ministre Gabriel Attal qui a salué les classes moyennes qui se lèvent tôt et qu'on n'entend pas assez, en tout cas pas assez souvent selon lui, propos répétés plus tard lors de la visite dans le Pas-de-Calais, Philippe. Oui, alors parlons vrai, 72% des Français estiment faire partie de la classe moyenne selon vous. Est-ce que c'est pour aller vers les gros bataillons électoraux? Ou est-ce que pour vous, en parlant des classes moyennes mais pas populaires, Gabriel Attal fait un cadeau au Rassemblement National? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc les classes moyennes, priorité affichée par le gouvernement Attal, est-ce une bonne chose, Philippe? Oui, non? Oui. Avec vous? Oui. Oui, non, cela ne me convient pas, car il faudrait aussi parler et inclure les classes populaires. C'était un oui-non, vous avez perdu. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. 0826 300 300, on revient, à tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez choisi Sud Radio, on vous en remercie, vous avez bien raison, parce qu'on a la crème de la crème encore aujourd'hui. Ah oui. Oui, je sais, je dis ça tous les jours, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de le dire. Philippe Bilger, avec c'est nous, président de l'Institut de la Parole. C'est vrai, en tout cas, certains soirs. Oui, oui. J'aurais peur pour vous, messieurs, là, parce que là, je me demande si c'est pas contre vous. Non, mais je n'osais pas dire tous les soirs, ma chère. Olivier Dartigol avec nous, chroniqueur politique, et François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député. En tout cas, vous allez tout savoir sur cette actualité grâce à eux. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous avons besoin des classes moyennes, nous avons besoin de les encourager. Notre objectif, c'est de toucher les travailleurs modestes, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui ont les moins gros salaires, et la classe moyenne. C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Les classes moyennes aujourd'hui sont beaucoup plus pauvres qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Moi, ce que je vous dis, c'est que je souhaite, un, que les Français qui travaillent en bénéficient, et deux, que les classes moyennes en bénéficient. Il ne faut pas oublier les classes moyennes, car ce sont elles qui font la richesse de notre pays. La prochaine élection présidentielle se joue sur les classes moyennes. Oui, c'est au-dessus du SMIC, les classes moyennes. Et donc, c'est un appel du pied très appuyé aux classes moyennes pour le premier jour de Gabriel Attal comme Premier ministre. Dès son arrivée à Matignon, il a salué ces classes moyennes qui se lèvent tôt et qu'on n'entend pas souvent. Ce sont ses propos réitérés un peu plus tard auprès d'une commerçante buraliste dans le Pas-de-Calais. Oui, et parlons vrai. Est-ce que, comme ce sont les gros bataillons électoraux, les classes moyennes, il tape juste Gabriel Attal en espérant les attirer dans son camp? Est-ce que c'est une faute politique, sachant que les classes populaires qui sont les 20% des moins riches en France, si on prend les statistiques, votent massivement pour le Rassemblement National et qu'elles vont peut-être se sentir un peu abandonnées par le chef du gouvernement? Est-ce que pour vous, les classes moyennes, priorité affichée du gouvernement Attal, c'est une bonne chose? Eh bien, vous dites oui à 78%. Et donc, pour commenter cette actualité, on va revenir vers vous, Philippe Bilger, avec ces classes moyennes qu'il faut aller chercher, qui sont un peu en déshérence, hein, les classes oui, moyennes. Oui, alors, je ne suis... Encore une fois, Cécile, Philippe, je vois bien qu'il s'agit de catégories qui, sociologiquement, sont différentes. Mais je me demande si cet investissement sur les classes moyennes de la part de Gabriel Attal n'est pas une manière d'accepter un partage entre les classes dites populaires qui seraient réservées par la force des choses au Rassemblement National, et les classes moyennes apparaîtraient comme la majorité la plus disponible pour ce que j'appellerais le macronisme dans ce qu'il a de position moyenne dans la vie politique. Et au fond... peut-être que ça correspond aussi à la politique économique qui est mise en œuvre. Mais j'aimerais une clarification entre nous. À partir de combien en net vous estimez qu'une personne fait partie des classes moyennes et non pas des classes populaires? Je vous pose la question. Eh bah oui, c'est la question que j'ai posée pendant la réunion. Les 20%. Mais parce que si on dit au-dessus du SMIC, ce n'est pas acceptable. Pourquoi? D'abord parce que jamais... autant de salariés dans notre pays n'ont été payés au SMIC, c'est à peu près 17% aujourd'hui, c'est ça. C'est considérable. Et il y a une trappe à bas salaire juste au-dessus du SMIC, au regard d'un certain nombre de choses que je ne décris pas, de dispositifs, mais notamment d'exonération de cotisations sociales patronales jusqu'à 2,6 SMIC, c'est énorme. C'est la remise Fillon. C'est énorme. Donc aujourd'hui, mis à part les CSP+, qui vivent bien...
qui sont le socle électoral et sociologique de la Macronie. Il y a énormément de personnes qu'on pourrait identifier comme membres des classes moyennes qui ne s'en sortent plus. Olivier Dartigolle, vous avez dit 2,6 SMIC, c'est 1,6 SMIC, je crois. Après, c'est dégressif, mais c'est 1,6, c'est pas 2,6. Il y a d'autres avantages jusqu'à 2,6. Non, mais en clair, la classe moyenne d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Quoi. Voilà, c'est clair, aujourd'hui, on voit bien, enfin, à qui parle le Premier ministre ? À ces Français qui travaillent et qui sont à 2 000, 2 200 euros, enfin entre 1 500 et 2 000, un peu plus, et qui disent maintenant tous les jours, on n'y arrive plus. C'est ça. On paye, on paye nos impôts, on paye l'électricité, le pouvoir d'achat a baissé. Il reste rien. On n'y arrive plus. Oui, et entre nous, ils se disent, mais à côté, on a des gens qui sont dans les minima sociaux et qui s'en sortent mieux que nous. Un sentiment qui mais ce sentiment-là, enfin le Premier ministre et la Macronie, en fait, ils l'entendent. Oui, hein. Pourquoi ? Parce que les classes populaires, soit elles ne votent pas, s'abstiennent, soit elles votent Rassemblement National, ou elles votent et les filles. C'est vraiment les classes populaires. Donc c'est pas le cœur de l'électorat Macron. Le cœur de l'électorat, c'était ces gens-là, ceux qui travaillaient et qui ont cru à Macron. Et ceux-là, ils sont en train de se détourner de l'électorat de Macron pour aller vers le Rassemblement National. Ouais. Donc le risque politique pour la Macronie, il est majeur. Et donc c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser, parce que eux vous disent aujourd'hui, on n'y arrive plus et on ne se reconnaît plus dans ce pays. Et là, ça commence à devenir extrêmement dangereux pour eux. Pierre, vous sentez que vous êtes, vous, un ou une membre de la classe moyenne. Vous faites confiance à Gabriel Attal pour vous faire remonter vers le haut, vous tirer vers le haut, ou vous ne lui faites pas confiance? Aude attend vos appels, ainsi que les vrais vôtres au 0826-300-300. Allez, on y part d'ailleurs au standard, avec Gérald qui nous appelle, on prendra Didier dans quelques instants, qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous avez un prénom de ministre, hein, vous, je vous le dis. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que vous êtes à l'intérieur du débat. Voilà, c'est ça. Oh, pas mal, pas mal. Pour vous, alors, à cette question, est-ce que c'est une priorité, c'est-ce qu'une bonne chose de parler des classes moyennes quand, de la part du nouveau Premier ministre ? Non, parce que je pense que les Français ne tombent plus dans le panneau. Ça fait 40 ans que les ministres et autres politiques tout simplement s'adressent en fait à cette population, à celle qui travaille, à celle qui paye, à celle qui n'a pas le droit à d'avoir des droits, parce que vous savez, c'est celle qui est à la limite, à celle qui paye pour les autres, à celle qui a des difficultés d'être propriétaire, mais quand elle l'est, ben c'est difficile encore pour elle. Voilà, c'est celle qu'on juge en fait. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est celle qui paye pour les autres. C'est ça. Oui, qui se lève tôt et qu'on n'entend pas souvent, c'est ça. Ben évidemment, ça c'est le discours que tout le monde cite. Moi, je vais vous dire la vérité. On nous prépare évidemment Gabriel Attal comme on nous a préparé Emmanuel Macron en 2017. Oui. Quand il sera en 2027, il va avoir exactement le même âge que Macron quand il a été élu en 2017. Mm-hmm. Les médias aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui en fait ce qu'écrivent les médias, donc les médias mainstream qui sont vraiment détenus par tous les oligarques, eh ben c'est exactement presque trait pour trait de ce qui s'est passé en 2017 et ce qui se passe aujourd'hui. Ben voilà. En fait, ben on parle de son évolution, on parle de sa jeunesse, on parle de sa réussite et on parle etc. Mais ce que va faire en fait tout simplement Attal, c'est de la communication jusqu'à 2027. Tout ce qui a été fait derrière par Borne, c'est passé. Toutes les lois sont passées, les lois de retraite, les lois sur l'immigration, le budget. Il lui reste quoi là comme loi à passer sur l'euthanasie? Franchement, qui ça intéresse pour l'instant? Qui ça intéresse? Pas grand monde. Voilà, donc il va pas prendre énormément de risques. Moi, ce qui me chagrine, je vais vous dire la vérité, c'est le fait qu'en fait, il était à l'éducation, il est resté combien de mois? 4 mois à l'éducation. Voilà, 5 mois et demi. Et il a fait quoi l'éducation? Pour l'instant, il n'y a rien eu qui a été fait. Et mais là, en 5 mois et demi, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Hein. Exactement. Alors pourquoi il est resté? C'est vraiment un manque de respect pour tous les élèves, pour tous les enseignants, Gérald, pour toutes les écoles. Les vraies voix veulent vous répondre, ils veulent réagir. Tiens, Olivier Dartigolle. Oui, j'entends, mais je ne partage pas une idée selon laquelle le sale boulot, disons, ou le boulot aurait été fait par Elisabeth Borne et que ce qui se présente est une mer d'huile, tout simplement parce que le pays va mal, qu'il y a des contraintes financières et budgétaires très fortes. Enfin, en tout cas, elle a fait des gros morceaux. Je dis qu'il y a encore énormément de choses dans les crises françaises. Oui. Dans les ruptures et que notre société ne va pas bien. Oui. Qui peut dire qu'il n'y aura pas des soubresauts, qu'il n'y aura pas des colères qui vont s'exprimer dans la prochaine période? Personne. Non, mais tu as raison, mais les textes... Attendez, je comprends ce que tu veux dire, mais les textes
qui mettaient des milliers, on va dire des centaines de milliers de personnes dans la rue, ceux-là, ils sont passés. Après, il peut y avoir de nouveau des gilets jaunes. Secousses. Bien sûr, arriver des secousses. Mais globalement, effectivement. Bah vous le dites d'ailleurs, avec l'augmentation de l'électricité, ça va peut-être permettre de les gens dans la rue. Mais Borne a fait le job, les 49-3, elle a fait le boulot. Les retraites. Les retraites, l'immigration, en fait, tout ce qui pouvait mettre les Français dans la rue. Par ces propositions. L'immigration, ça ne pouvait pas les mettre dans la rue. 70% des Français étaient favorables au projet de loi. Oui, mais je me comprends. Enfin, qui pouvait crisper le pays, elle l'a fait. Bon. Elle a fait là où notre auditeur a raison, c'est lorsqu'il insiste, lui. Mais pas pour. J'ai cru comprendre qu'il ne créditait Gabriel Attal que de ce talent pour la communication. Ça va être. C'est le cas, Philippe. C'est le cas. Oui, mais ça va être un grand plus par rapport à Elisabeth Borne. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est là aussi pour damer le pion à Jordan Bardella. Pour les européennes. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez, comme Gérald, que Gabriel Attal va faire de la communication en espérant arriver dans les meilleures conditions en 2027? Ou est-ce que vous pensez qu'il va réformer à la SERP? Appelez-nous au 0826-300-300. Gérald, vous auriez mis qui, vous? En termes de Premier ministre? Ah oui? Ben non, après, moi j'aurais vu franchement un ministre qui aurait pu faire une coalition avec lui, mais dans le sens d'un bord politique différent que Macron. C'est-à-dire qui, par exemple? Ben oui, après, quelqu'un qui est actuellement à l'Assemblée nationale, qui représente encore les Français, ben soit quelqu'un de la gauche, ou soit quelqu'un évidemment de la droite, tel que le RN, quoi. Donc ça, mais là il n'y a pas de majorité. Je ne porte pas du tout le RN dans mon cœur. Mais aujourd'hui, force est d'avouer et de constater que les Français sont plutôt d'accord et favorables avec une politique de droite forte. Mais ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que l'équation parlementaire n'est pas résolue par l'arrivée de Gérald De Gabriel Attal. François. Pendant le mandat de bougez pas, Didier, on arrive. Il y a une cinquantaine de textes qui sont passés à l'Assemblée nationale. On le disait. On a crispé sur les textes qui étaient les plus conflictuels, sur lesquels il n'y a pas de majorité. Mais globalement, ça fonctionne. Loi pas de programmation militaire. Voilà, pas sur des. Mais ça fonctionne, globalement. Et donc, le pari de Gabriel Attal, c'est de dire maintenant, on va continuer comme ça. Et je pense qu'il sera meilleur que Isabelle Borne sur la constitution de majorité ponctuelle. Parce qu'en fait, c'est majorité ponctuelle qu'il faut. Par l'opposition de droite. Allez, on était à Montpellier avec Gérald, direction Paris avec Didier. Bonsoir Didier, rebonsoir Didier. Bonsoir, rebonsoir à vous. Mais juste trois choses. La première, c'est. Il reste 3 ans. On dit tous les textes sont passés, et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 3 ans? Ah ouais, on aimerait bien savoir. Question. Quand même quelques sujets pas négligeables à venir. La deuxième, sur la classe moyenne, je pense que c'est un sujet, l'interlocuteur précédent, Gérald. Gérald l'atteste, c'est quand même un sujet à manier avec, à faire attention. Parce que cette classe, elle est aussi essentielle, et des intervenants expliquaient tout à l'heure que ils payaient et c'est la seule chose qu'on leur demandait, de continuer à payer, mais c'est aussi aujourd'hui, il y a tout ce qui est les services publics et tout ce qui est les prestations, non seulement ils payent, mais la qualité des services ou la qualité, est-ce qu'ils en ont pour leur argent? Non, cette question monte de plus en plus, mais pas seulement pour la classe moyenne, pour tout le monde. Et donc, je pense que ce sont des sujets quand même. S'y intéresser, c'est une chose, mais mettre le doigt en permanence dessus avec la visée uniquement et seulement électorale, c'est quand même dangereux par les temps qui courent. Bah oui, il va falloir des solutions, effectivement, pour cette classe moyenne. C'est quoi les solutions ? François Pupponi. Le problème, c'est que Gabriel Attal n'a aucune marge de manœuvre. Ah ben non. Il faut trouver 12 milliards. Il faut trouver 12 milliards cette année. Oui. Ça va être pareil l'année prochaine. Les taux augmentent. Ça va plutôt être à 15 avec la hausse des taux. Voilà. Donc globalement, il n'y a plus de marge de manœuvre budgétaire. Le quoi qu'il en coûte, nous a enlevé le peu de réserve qu'on n'avait même pas d'ailleurs. Bon. Non, le problème, c'est que les Français sont à bout, quoi. Malheureusement, pour les classes moyennes, il peut dire je vais m'en occuper, mais dans les faits, ces classes moyennes vont continuer à payer et payer de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, on ne peut pas leur faire des cadeaux fiscaux. Les services publics, on ne peut plus trop les financer, donc ils n'en auront pas de plus en plus, mais au contraire de moins en moins. Et donc c'est un vrai sujet. Et Emmanuel Macron le sait très bien, ça sera le sujet de 2027. Oui. Si la sécurité continue à se développer, si effectivement les classes moyennes continuent à être ponctionnées, on sait très bien ce qu'elles vont voter en 2027 pour une grande partie d'elles. La préoccupation en tête de toutes les sondages restent le pouvoir d'achat.
Il faudra m'expliquer comment, dans notre pays, on ne peut pas poser en grand la question du salaire, de la répartition de la richesse entre revenus du capital et revenus du travail, pour résumer. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur l'échelle des salaires. Le SMIC est indexé à l'inflation, mais aujourd'hui, ce que j'appelais tout à l'heure la trappe à bas salaire, est un vrai problème. Si le gouvernement... Nous ne sommes qu'à la deuxième année du second quinquennat. Si le gouvernement, dans les mois qui viennent, ne se préoccupe pas de la question du niveau des salaires dans notre pays, on nous dit on renvoie aux branches professionnelles. Oui, mais... Il y a encore un nombre considérable de branches professionnelles qui ont des minima salariaux en dessous du SMIC. Mais pour ça, il faut que les entreprises puissent les payer, ces salaires. C'est vrai, Cécile, mais pour certaines entreprises, on voit que la rémunération des actionnaires aujourd'hui, même des libéraux le disent, est allée trop loin, qu'il faut rééquilibrer, mettre le frein. Et pour Emmanuel Macron, ça serait un tête-à-queue exceptionnel au niveau politique, parce que depuis le début de 2017, c'est « je baisse la pression fiscale et les charges sur les entreprises pour qu'elles réinvestissent ». Avec quel résultat, François ? D'accord, mais donc ça veut dire que, est-ce que tu peux imaginer Emmanuel Macron, à la fin de son quinquennat, dire « c'est je me suis planté, et maintenant on va dire aux entreprises qu'il faut payer ». Mais je voudrais vous poser une question, est-ce qu'avec la paupérisation des classes moyennes, qui date de 40 ans, on est bien d'accord là-dessus, qui s'est beaucoup accéléré sur les 20 dernières années. Est-ce que la vraie question qui ne va pas se poser, c'est que les classes moyennes, devenant de plus en plus des classes moyennes inférieures, voire même des classes populaires, c'est le pain béni pour le RN pour la prochaine présidentielle. Mais ces classes moyennes, si on leur dit... Oui, mais là, ça va s'amplifier. Vous continuez à payer pour les minima sociaux, c'est ça. Vous n'aurez plus forcément votre retraite, vous allez payer des impôts, vous payez, et il n'y a rien derrière, et vos enfants sont déclassés, ça, ils ne le supporteront pas. Et donc, l'échéance de 2027, elle se jouera là-dessus. Il y aura la sécurité, il y aura l'immigration, mais il y aura effectivement le pouvoir d'achat des classes moyennes, et si les trois sujets concernés ne s'améliorent pas, on connaît à peu près le résultat de la présidentielle de 2027. Philippe Bilger. Mais Gabriel Attal étant venant du budget, normalement, j'imagine qu'il a des billes. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Qu'il a des idées. Il va bien falloir sortir un programme. S'il était raisonnable, on diminuerait les services publics et on augmenterait les enquêtes. Déjà, là, il révise le nombre de ministres. Normalement, tu restes sur le régalien et le reste, tu supprimes. Si on était raisonnable, dis-moi. Attention, je parle budgétairement. Où ? Ah ben globalement, si tu prends, allez, je prends quelques exemples. Est-ce qu'on va continuer dans ce pays longtemps à avoir des fonctionnaires qui travaillent sur les routes départementales, sur les routes régionales, sur les routes nationales? Est-ce qu'on va avoir des fonctionnaires dans les préfectures qui tous les mois prennent les délibérations des collectivités locales pour dire ah ils ont mis la bonne virgule, c'est voilà tout ça à un moment stop. Inutile. Stop. Alors, c'est réduire le train de vie en état. Mais de passer à 15 minutes, je vais y arriver, ministre. C'est epsilon sur le budget. Mais c'est un début. Ah, mais on le dit à chaque remaniement. Mais j'essaie de vous trouver des points positifs. C'est honorable. Les grandes masses, on les connaît. Le budget de l'État, c'est les collectivités locales. Absolument. Les dépenses sociales. La protection sociale. Et le logement. Voilà. C'est avec ces quatre grandes masses, c'est là où on fait les économies. Et quand Macron avait dit à l'époque, maladroitement, on va diminuer les APL, mais il commençait à taper dans les 40 milliards que coûte le budget du logement. Donc, oui, les grandes masses, on les connaît. Est-ce que Gabriel Attal aura le courage de passer? Mais s'il ne fait pas ça, il sera obligé au moment d'augmenter les impôts. L'équation budgétaire, elle est malheureusement limpide. Eh bien, on verra. Écoutez, en tout cas, Didier, vous restez avec nous, puisque dans un instant, vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix. C'est chacun pour soi, dans un instant, comme d'habitude. C'est un peu la politique, chacun pour soi. On a l'impression qu'on est tous amis, mais en fait, pas du tout. Oh, arrêtez. Un égoïsme féroce, d'un coup. Regardez, le ministre intérieur était avec le Premier ministre l'un à côté de l'autre. Oh, il est mignon, ce monde des bisounours. Bisous. Allez. Le ministre de l'Intérieur qui gère les affaires courantes. Allez, on fait une petite pause. Aujourd'hui, il est ministre gérant les affaires courantes. On joue dans un instant, tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un plaisir de vous accueillir tous les jours avec Philippe David. Vous êtes bien entendu les bienvenus dans cette belle maison Sud Radio, 0826 300 300, et vous décrochez le téléphone. Aude vous attend, elle vous organise tout, elle gère tout du début jusqu'à la fin. Vous êtes pris en charge sans aucun problème avec notre auditeur du jour Didier qui est avec nous de Paris. Ça va Didier?
Très bien. Didier, vous allez devoir jouer contre nos vraies voix. Attention. Bah oui. Le principe du jeu, je vous le rappelle, vous répondez en premier, vous n'avez pas la bonne réponse. C'est eux qui répondent à votre place, avec des points en fonction des questions. Mais on vous expliquera tout. Allez, à tout de suite. C'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on va démarrer tout de suite, comme ça on va prendre un petit peu plus de temps avec une question à 3 points, Didier. Question, qui c'est qui l'a dit pour conseiller Gabriel Attal, la vraie règle c'est que l'action précède la séduction. Didier. C'est quelqu'un qui est un peu retiré de la politique, mais qui a quand même eu de très hautes fonctions. Langocha, Didier. Bayrou. Non. Raffarin. Bonne réponse collégiale en même temps. En même temps, Philippe. Un peu avant, moi. Non, en même temps. Au moins une demi-heure. Je vois que le climat n'a pas changé ici. Trois points ou deux. Mais non, mon cher Philippe. Allez, qui c'est qui l'a dit là? C'est à un point. Gabriel Attal n'a jamais été de gauche. Didier. Un socialiste, peut-être. Non. Pire que ça. Plus à gauche. Plus loin. Pardon. Mélenchon. Non. Attendez. Didier, Langocha. Allez. Oui. Bonne réponse Manuel de Philippe Pilger. Écoutez bien, Didier. J'ai 6 points, donc. Non, 4. C'était une question à 1 point. Voilà. Question, qui c'est qui l'a dit? Une question à 2 points. Gabriel Attal et moi-même, nous n'avons pas le même profil. Et c'est très drôle, à mon avis, ça va être en lice pour l'humour politique, hein, c'est Didier. Un profil physique. C'est vrai. Bon, je donne ma langue au chat. Allez-y. Larcher. Bonne réponse. François Pupponi. Larcher 2 points pour François Pupponi. Qui c'est qui l'a dit? Question à 2 points. Je suis assez stupéfait de voir cette Attalmania. Didier. Monsieur. Langue au chat, Didier. Oui, Langocha. Philippe Bilger. Non. Il a utilisé le mot tout à l'heure, mais c'est pas lui. C'est pas moi, alors. Il est du côté du Rassemblement National. Chenu. Non. Lavalette. Non. Jacobelli. Non. Marine. Non. Juju. Ah oui, Odoul. Bonne réponse de Philippe Bilger. Qu'est-ce que c'est ce truc de donner le point? Je vous l'ai dit à tous, Juju. C'est spontané. Oui, c'est spontané. Des Juju, il y en a plein. J'aurais pu dire Julien Juppé, André. Vous auriez dû. Mais il n'est pas IRL, mais Juppé. Allez. Ah bah là, je domine. Qui c'est qui l'a dit? Cher Didier. Didier, faut marquer un point. Vous voulez que je décolle, c'est ça? Oui. Mais Didier, restez tranquille. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard, quand même. Qui c'est qui l'a dit? Gabriel Attal est une espèce de monsieur Macron junior qui s'est spécialisé dans l'arrogance et le mépris. Waouh! Didier. Aïe, aïe, aïe. C'est une femme. Ouais. C'est une femme. Alors vous êtes de gauche. C'est pas du. Non, attendez, c'est côté Panot. Bonne réponse, Mathilde Panot. Il a été un peu plus rapide. Un point pour François Pupponi. Qui c'est qui l'a dit? Question à 3 points. Oui, Gabriel Attal a de l'expérience au-delà de son jeune âge. Il a fait un certain nombre de stages de découverte. C'est excellent. Didier. Non, il a été ministre, il est aujourd'hui député européen. Ouais. Langocha, Didier. Oui. Allez-y. Bellamy. Non. 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 Bardella. Non. Non, député européen, attends. LR. C'est pas LR, c'est pas Bellamy. Non. C'est une femme. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a été ministre. Hortefeux, mais trop tard, il y a eu le buzz avant. Solomong. Ouais, c'était pas mal. Brice Hortefeux, allez, c'est la dernière. C'est à vous, c'est moi qui ai fait. Ben, allez-y, quand vous voulez. La suivante. Oui, d'accord. Alors, qui c'est qui l'a dit? C'est une 3 points. Gabriel Attal, c'est à la fois de la fermeté, une jambe gauche que j'espère un peu plus musclée que et de l'autorité. Alors, c'est un député qu'on connaît bien dans les vraies voix. Qui vient souvent dans les vraies voix. Qui a un franc-parler. Oui. Didier. Je réfléchis 30 secondes, 2 secondes. Allez-y. Vignal. Bonne réponse, Patrick Vignal. J'avais le visage dans les. C'est Philippe Bilger qui a gagné aujourd'hui avec 2 points. Et vous voyez avec quelle sérénité j'accueille cette victoire, contrairement à certains. Mon cher Didier, je ne saute pas. Désolé, Didier, vous êtes fanny, mais en tout cas, on était ravis de vous accueillir. On vous souhaite une très belle année. À très vite. Merci, bonne année à vous. Vous restez avec nous.
chers amis, dans quelques minutes, le tour de table de l'actu, nos vraies voix avec un Philippe Bilger qui intervient sur quoi ? Pourquoi Brice Toussaint rate son émission ? Voilà. Son format. D'accord, ok, très bien. Avec vous, François Pupponi. Bon, est-ce que je veux parler de l'hypercaché hein. Oui, vous avez bien raison, c'était hier une commémoration. Et avec vous, Olivier Dortigol. Le dernier bar-restaurant à Arrête a fermé, je vous en parlerai. Il a fermé. Bon, c'est une mauvaise blague. Allez, on fait un point dans un instant. À tout de suite, c'est les vraies voix. Allez. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous pour composer cette équipe, François Pupponi, ancien maire de Suresnes, de Marsarcelles. Et ancien député, bien entendu, Olivier Dortigol qui est avec nous, et Philippe Bilger, comme d'habitude, bien entendu. Et puis, cette nouvelle chronique, vous avez la parole, vous voulez raconter votre quotidien, une colère, ou alors nous annoncer peut-être une bonne nouvelle. Avec vous, Félix Mathieu, on part où ce soir ? Direction le Grand Est, Charleville-Mézières, ce soir. On a eu envie de vous faire partager une belle histoire aujourd'hui. Vous savez, vous avez la parole ici pour les coups de, colère comme pour les bonnes surprises, par exemple. Alors, une bonne surprise, il y en a une de taille du côté de Charleville-Mézières. Bonsoir, Boris Ravignon. Bonsoir. Maire de Charleville-Mézières, chef-lieu des Ardennes. Le chef-lieu des Ardennes où est né donc Arthur Rimbaud, c'était en 1854. Et figurez-vous qu'un donateur anonyme vient d'offrir à la ville trois manuscrits exceptionnels. Monsieur le maire, c'est deux lettres de Rimbaud et l'un de ses poèmes recopiés par son ami Verlaine. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est effectivement la très belle surprise de ce début d'année. Et pour nous, l'année 2024, c'est une année un peu particulière parce que on va fêter le 170e anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud, qui effectivement, comme vous le disiez, est né à Charleville en 1854. Verlaine avait notamment imité la signature de Rimbaud sur l'un de ses manuscrits ? Oui, alors ça, c'est effectivement une belles histoires effectivement dans chacun de ces documents. Les deux lettres sont elles-mêmes très émouvantes, notamment l'une où il est à l'hôpital de la Conception à Marseille et où il souffre terriblement et donc elle est très, très poignante. Et puis effectivement, Verlaine a recopié un poème de Rimbaud, ce que retient Nina, qui est un poème de jeunesse très beau aussi, très, très émouvant. Et il l'a recopié jusqu'à effectivement imiter la signature de son ami. Donc on a un beau poème de Rimbaud recopié par Verlaine et deux manuscrits qui viennent de nous être offerts. On est donc effectivement très heureux. Et alors, ce qu'il faut raconter juste rapidement, c'est que c'est un trésor qui vous était passé sous le nez lors d'une vente, lors d'une vente aux enchères. Et cet acheteur, donc plus riche que la ville de Charleville-Mézières, finalement, vous l'offre après coup. Exactement. En fait, les écrits et même les objets qui touchent à la vie d'Arthur Rimbaud partent dans les ventes aux enchères à des tarifs absolument hallucinants, inabordables pour les collectivités. Le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud s'est vendu un demi million d'euros. Le poème L'éternité qui était dans la même vente au mois de décembre est parti à 700 000 euros. Donc on a une envolée des prix et donc on s'était concentré nous sur une lettre. Et puis on avait vu avec beaucoup de regret passer les deux autres et le poème recopié. Et donc effectivement, ce mécène les a acquis ces pièces et il nous les offre aujourd'hui. C'est vraiment un très beau cadeau. Magnifique, ouais, Philippe. Monsieur le maire, ça veut dire que contrairement à ce qu'on prétendait, la municipalité de Charleville, à une certaine époque, en tout cas, ça n'était peut-être pas vous le maire, attache une grande importance à ce génie de la littérature française. Ah oui, c'est pour nous une chance considérable. On a la chance effectivement d'avoir la ville natale d'Arthur Rimbaud. Alors il a écrit quelques petites choses pas forcément très agréables sur Charleville pendant sa vie, mais on le lui pardonne. Et aujourd'hui, on met vraiment un point d'honneur à ce que on soit une ville qui fasse connaître la poésie merveilleuse d'Arthur Rimbaud, la fasse lire, parce que c'est ça le sujet. Et vous voyez, on a 18 aujourd'hui presque dans la ville qu'on a confié à des artistes où on peut lire la poésie sur les murs de la ville. Ah, ça doit être magnifique. Et alors les manuscrits vont partir au musée, hein, c'est ça ? Bien sûr, ils vont être conservés de la meilleure manière qui soit au musée. Dès qu'on les a reçus, on va les mettre à l'abri. Et vous connaissez le donateur ? Oui, bien sûr. Mais ils ne veulent pas que vous disiez son nom en fait. Mais il veut pas qu'on sache son nom. C'est tout à son honneur. Je crois que il a voulu faire du bien à sa ville. Et puis
aussi, m'a-t-il dit, lancer un mouvement parce que il est persuadé qu'il y a d'autres investisseurs ou personnes attachées qui pourraient avoir envie effectivement d'aider Charles-David Mézières et le musée Rimbaud à se doter de collections plus étoffées. Et donc, il veut ouvrir la voie. C'est, voilà, ça ne peut que nous ravir. Formidable. Moi, j'ai écrit des poèmes quand j'étais jeune, mais ça ne vous intéresse pas. J'aurais pu vous les donner. Si, on les prend aussi. Si, on les reçoit bien volontiers. Merci en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Boris Ravignon de Charleville-Mézières. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et si ça va bien. Les vraies voix Sud Radio. Et si ça va bien dans les Ardennes, ça va beaucoup moins bien, à mon avis, dans le Maine-et-Loire, qui a la douceur angevine. Enfin, pas si douce que ça. Puisqu'un couple originaire de Bretagne est convoqué devant le juge aux affaires familiales le 5 février prochain. Pourquoi ? Oh, pas pour de la maltraitance, Dieu merci, mais parce qu'ils ont donné à leur petit garçon né le 26 juillet dernier comme prénom Finch, qui signifie François, comme vous, François Pupponi, en français. Alors, si ce prénom pose problème, c'est parce qu'il y a un tilde sur le N en breton, comme sur le N de Espagna, et que ce tilde sur le N n'est pas validé à l'état civil, selon une circulaire ministérielle du 23 juillet 2014. Alors, je tiens à dire que les tribunaux étant engorgés, c'était peut-être pas la peine d'envoyer ses parents devant le juge. D'autant que ce prénom n'est pas ridicule, contrairement aux parents qui avaient voulu appeler leur enfant périphérique ou Ikea, demande refusée à l'état civil, ou parfois acceptée, comme Térébenthine pour la fille de Cécile Duflot. Enfin, on accepte les prénoms de la planète entière, y compris des séries américaines, et on n'accepterait pas des prénoms issus de nos terroirs. Imanol Arinordoki ou Bichentelli Sarasou ont fait rayonner la France dans le monde entier avec leurs prénoms basques. Alors merci de respecter les identités de nos régions, qu'elles soient alsaciennes comme Philippe Bilger, corse comme François Pipponi ou béarnaise comme Olivier d'Artigolle. La France est quand même le seul pays qui a toujours pas ratifié la charte des langues régionales. Mais charte européenne. Mais c'est pas surréaliste quand même qu'on envoie les parents au tribunal. C'est le jacobinisme poussé à l'extrême. French. C'est un prénom breton, c'est François en breton. Voilà, ah oui. Mais sauf qu'il y a le sigle au-dessus. Mais le problème, c'est que c'est le jacobinisme poussé à l'extrême. Quoi. Ouais. Comment dit François en Corse ? Francesco. Francesco. Il y a beaucoup de Corses maintenant qui appellent leurs enfants Francesco, Paolo Natal, Paul Noël, Orso. Ah oui. Orso. C'est pour l'instant accepté, ça n'a jamais été déféré. La seule chose qui a été déférée, c'est la collectivité de Corse avait fait son règlement bilingue, et le préfet Le Large avait attaqué cela. Ils avaient été condamnés à ne pas pouvoir écrire, alors que tous les autres conseils régionaux écrivent les Bretons on peut parler en breton. Merci beaucoup, Francesco. Francesco, pendant qu'on y est, dans un instant, le tour de table, votre tour de table, c'est une date importante. Hein. François Pupponi. Pardon, je vous appelle Francesco, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. La date importante, celle d'hier, pour le tour de table de la Excusez-moi, je suis désolé. L'hypercachère, c'est une date particulière pour moi. Parce on va en parler dans un instant. Avec vous, Olivier d'Artigolle. Une histoire triste dans la vallée du Barré-Tous, en Pyrénées-Atlantiques. Avec vous, Philippe Bigin. Le très mauvais score de Bruce Toussaint sur TF1. Eh bien, on en parle dans un instant. À tout de suite, soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile Doménibus. Bienvenue dans les vraies voix du jour. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, bien entendu, avec François Pupponi, avec Olivier d'Artigolle et avec notre camarade Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Ça va bien, Philippe David? Ça va très bien. Ça vous va bien comme nom? Vous, Cécile de Ménibus, ça vous va bien aussi? Ça tombe bien. De toute façon, qu'il en a choisi deux. Ça aurait pu être David Philippe, mais en tout cas, c'est mieux dans ce sens-là. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et c'est l'audience des premières matinales de TF1 qui attire votre attention, Philippe Bilger. Qui s'appelle Bonjour, et j'en parle. Je n'ai rigoureusement rien contre Bruce Toussaint, c'est clair. On avait fait beaucoup de promotions pour annoncer cette nouvelle matinale sur TF1, et apparemment, lors de sa deuxième programmation, elle a fait un score très bas, tel que c'est rapporté sur le site de Morandini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer à quel point il ne suffit pas qu'une grande machine mette en place une nouvelle émission
en l'occurrence une matinale, pour qu'elle dame le pion à celles qui sont installées, que ce soit à Sud Radio, à CNews ou à d'autres, sur d'autres radios. C'est très difficile, les auditeurs ont des habitudes, ont des réflexes et ne se dépaysent pas volontiers. Et donc il y aura peut-être un progrès hein, pour Bonjour, mais c'est mal parti. Après il faut du temps hein, pour oui, installer des choses. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une panne de créativité et d'imaginaire? Il y a une émission sur BFM qui a été arrêtée, animée par Laurent Ruquier, mais qui faisait penser à une autre émission sur notre chaîne à la même heure. Et là, en la regardant, j'ai l'impression de voir un télématin. En me disant, mais quelle est la plus-value, quel est le concept nouveau. Et donc, peut-être que les gens préfèrent la copie à l'original, et je trouve ça dommage, parce que, l'original par ailleurs, la copie. Ruquier et Bruce Toussaint sont de grands professionnels, et sont certainement capables d'aller vers d'autres concepts. François Pupponi. Il faut du temps ou temps hein, pour installer une émission. Mais c'est il faut pas du si temps, enfin, regardez ce qui se passe sur les chaînes d'infos. Oui. Le fait que CNews est en train de prendre le leadership, on verra que ça dure, mais voilà. Alors que c'était un pari qui paraissait insensé en disant mais quel intérêt d'aller concurrencer les gens qui sont installés, tout ça. Donc en matière d'audiovisuel, vous êtes mieux placés que nous pour le savoir, voilà, rien n'est jamais acquis. Mm. Et le pari de ces chaînes, c'est de dire ben, ceux qui sont en place vont peut-être un moment se fatiguer et fatiguer les auditeurs, et donc il y a une place à prendre. Après, ils ont souvent pas le temps d'attendre les résultats, parce que l'audimat étant ce qu'il est, ils prennent des décisions. Après, la marque TF1 est très puissante. Hein, ben voilà, l'invité politique à 8h sur une chaîne comme TF1, c'est un pari, mais est-ce qu'ils vont tenir ou pas en fonction d'audiences qui ne sont pas très très bonnes, on verra bien. Mais en tout cas, c'est des paris qui sont sur le long terme. Absolument. Olivier D'Artigol, ce dernier bar-restaurant de la commune d'Arrête dans les Pyrénées-Atlantiques. Peut-être qu'on va trouver une solution avec ce message sur les ondes de Sud Radio. C'est donc pour ceux qui connaissent les Pyrénées-Atlantiques, c'est la vallée du Barretous qui est une très belle vallée. Et il y a donc le village d'Arrête. C'est le village juste avant, pour ceux qui connaissent, la station de la Pierre-Saint-Martin. Et il y avait une véritable institution locale qui était le restaurant-bar Guaillardot. Ouvert depuis 1910, là c'était la quatrième génération, ouvert de 7h le matin à tard le soir, mon cher Philippe David, tard le soir parce que souvent l'équipe de rugby d'Aramitz arrivait vers les 22h pour vider l'entraînement. Quelques fûts de bière, c'est 90 repas par jour, c'est y compris un portage de repas pour les personnes âgées de la vallée du Barretous. Là les propriétaires étaient à bout, fatigués, il n'y a pas de reprise par la jeune génération. Ils ont cherché un repreneur. Il y a un chiffre d'affaires que je voyais, je fais ici de la presse quotidienne régionale Sud-Ouest et la République des Pyrénées qui ont évoqué cette affaire qui est très triste. Le chiffre d'affaires était important, 590 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, une mise aux normes pour les gens à mobilité réduite. Bon, c'est un bel outil. Et en fait... il n'y a pas de repreneur là, et notamment des personnes auraient pu être intéressées, mais il y avait besoin d'un soutien d'une banque. Et les banques ne sont pas au rendez-vous. Donc je dis simplement que cet établissement mérite de vivre, qu'il est très important pour le lien social de cette vallée et du village d'Arrête, qu'il y a des personnes qui aimeraient bien relever le défi. Mmh. Elles ont besoin d'être soutenues et c'est une affaire solide. Mais c'est quoi le prix? Il monte combien? Les pauvres, ils étaient à 300 000 pour valeur estimée, ils ont descendu à 250 000. Donc on voit bien que c'est pas un niveau qui est inaccessible. Et je le dis, il devrait y avoir une responsabilité sociale, territoriale des banques, et il devrait y avoir un soutien de lien social, de lien social, parce que ça n'est pas qu'un bar-restaurant, c'est vraiment un lieu de sociabilité, d'entraide. C'est une histoire très triste, j'espère qu'on va trouver une solution. L'échéance c'est quand? L'échéance, c'est ça, ils ont fermé le 31 décembre. Ah oui, d'accord. Mais les locaux sont encore utilisables si quelqu'un reprend rapidement. Oui, c'est le 31 décembre. Et il y a eu des témoignages d'habitués, y compris des gens qui venaient toutes les vacances hivernales, et il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux sur le dernier jour. Vous y étiez, Olivier? Non, je l'ai lu par la presse quotidienne régionale, et je vois très bien quel est cet établissement. Parce qu'on fait bien manger. C'est un sujet que je connais bien, parce qu'on a le même problème en Corse. Et aujourd'hui, je suis... banquier, pas très loin. Là. Le pauvre, il a bien fait de passer. C'est un visiteur qui vient. Bienvenue. Le vrai sujet, soit on essaye de maintenir des outils économiques, en partie de sociabilité, dans le rural. Mais quand on prend les chiffres bruts de ces activités,
elles sont tout juste bénéficiaires. On n'est pas là pour. Enfin, ils gagnent un peu d'argent, ils arrivent à se prendre des salaires. Et aujourd'hui, le secteur bancaire a des ratios qui font que. Ah, bah non, là. Alors, comment ça se passe? Après, peut se diversifier aussi dans un commerce. Oui, hein. Mais le banquier, il vous croit pas. Quand vous lui dites, moi, je vais ouvrir dans un petit village de 250 habitants, tenir un restaurant, parce que je sais que. Oui, mais regardez le chiffre d'affaires que vous avez fait il y a 2 ans. Oui, et voilà, la rentabilité n'est pas suffisante, et ceci pas, et cela. On ne rentre pas dans les ratios. Avec en plus maintenant. Bon, et 90 menus le. Et comment ça se passe? C'est bon. Et comment ça se passe? Souvent, c'est les collectivités locales qui sont obligées d'apporter des subventions. Oui. Pour permettre à ces commerces de tenir. Bon. Mais ça, et parce qu'elles ne sont pas là pour gagner de l'argent, elles sont là pour créer du lien et maintenir une activité économique et sociale dans des zones qui se désertifient. Vous savez que j'ai déjà réglé une affaire grâce à Sud Radio. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous pose des questions, parce que c'est intéressant. Puisque la personne m'a appelé derrière, on a donné mon numéro, on a pu régler un dossier très particulier. Bon, mais j'espère que là, on va régler aussi. Eh bien, écoutez, si vous avez envie de reprendre un bar, tabac, restaurant, c'est un bar-restaurant du côté de la vallée du Barretous, du côté d'Arrête, vous appelez le 0826-303. C'est plutôt une adresse au secteur bancaire pour qu'ils aident les repreneurs qui se sont signalés, mais qui ne sont pas soutenus et qui ont un dossier pourtant solide. Mais on va en parler avec le président de la Confédération des buralistes aussi. Ça aussi, c'est diversification, forcément. C'est une façon aussi d'ouvrir sur d'autres sujets. On va garder votre. On va revenir avec vous, Olivier d'Artigol. On va essayer de faire quelque chose avec Philippe David. Oui. Parce qu'il y a pas mal de commerces en France. Comme ça, et on va essayer de faire une émission pour les aider, justement. Oui. Allez, vous bougez pas. Dans un instant, on fera le tour de table de François Pupponi, puisque hier, c'était un triste anniversaire, hein, l'attentat hyper cacher. 9 ans déjà. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et très largement, correctement, magnifiquement accompagné avec Olivier d'Artigol, avec François Pupponi et Philippe Bilger. Et vous, au 0826-300-300, le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous savez que chaque jour, nos vraies voix arrivent avec un sujet qu'ils ont envie de porter et de partager avec vous. Et François Pupponi, on va revenir sur cet anniversaire. C'était hier, hein, c'est 9 ans déjà, l'attentat hyper cacher. Oui, moi j'y étais comme toutes les années depuis 9 ans. Parce que cet attentat m'avait marqué pour une raison simple, au-delà de l'horreur antisémite, hein, c'est qu'un jeune de Sarcelles est mort. C'est le premier qui a été tué. C'était un jeune Yohan Cohen, qui était salarié de l'hypercacher. Donc Koulibaly est rentré, a tiré sur lui le premier. Et ensuite, il y a un jeune qui s'appelle Yohan Attab, qui a été tué aussi, qui est le fils du rabbin, qui était l'ancien rabbin de Tunis, que j'ai accueilli à Sarcelles et logé à Sarcelles. J'étais avec lui hier soir. Et lui, ce qui est terrible, parce que j'ai accompagné son père lors du procès, c'est quelqu'un qui avait fait l'armée en Israël. Donc il a protégé les otages au sous-sol. Et ensuite, il est monté voir ce qui se passait à l'étage. Et là, il s'est aperçu que Koulibaly, le terroriste islamiste, avait posé sa kalachnikov. Il a pris la kalachnikov pour essayer de tuer. Et la kalachnikov s'est enrayée. L'autre avait une arme de poing, il l'a tué avec une balle dans la tête. Et on a appris ça avec le père lorsqu'on était au procès, puisqu'il a été dit, voilà. Et le père est un type exceptionnel qui a quitté la Tunisie, hein, qui est le rabbin de Tunis qui est parti. Voilà. Donc c'est un moment très particulier. Et j'avais accompagné, j'étais allé voir la famille tout de suite le soir de l'attentat du jeune Yohan Cohen pour leur annoncer. Et puis voilà. Et j'y étais allé avec Eva Sandler, que j'avais accueillie aussi. Eva Sandler, qui était la femme du rabbin Sandler et qui avait vu son mari et ses deux enfants tués par Mohamed Merah à Toulouse. À l'école aux Oratoires. À l'école aux Oratoires. Et ces deux femmes, la Madame Cohen et Madame Sandler, sont un jour venus voir dans mon bureau pour me dire on part en Israël parce que la France, elles sont françaises, hein, la France n'a pas été capable de protéger nos enfants et nos maris. Alors on rappelle les noms, en hommage, hein, Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François-Michel Saad. Alors eux étaient les clients les trois étaient les clients qui venaient le soir, la veille de Shabbat, acheter les pères cachers, et le jeune Yohan Cohen était l'employé du magasin. Et si la calache ne s'était pas enrayée, il l'aurait eu. Ah, il l'aurait tué. Ah oui. Ouais. Enfin, on peut l'imaginer. En tout cas, il a fait le geste de se retourner vers. Et il s'est fait tuer tout de suite après. Alors, on peut aussi remercier le formidable travail aussi des forces de police. Hein. Énormément. Ouais, Jean-Michel Fauvergue, avec qui j'étais collègue député, était le patron du RAID ce jour-là. Ouais. Ils ont fait un travail exceptionnel parce qu'eux ne savaient vraiment pas ce qui se passait dedans, même s'il y avait des. Voilà. Mais il dit dans la journée, les journées, c'est ce qui l'a le plus frappé, Jean-Michel, ce qui s'est passé à l'hypercacher. Ah oui, l'hypercacher, c'est terrible. Et puis, souvenez-vous de l'Assana Batista.
Oui, oui, c'était le jeune employé. Qui est le jeune malien, qui a un comportement héroïque, et qui systématiquement, quand il devait témoigner, disait « je ne suis pas un héros, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de faire ». Mais quel courage. Il a eu un bel itinéraire. Absolument. On a juste oublié en France qu'on peut se faire tuer parce que juif. C'était il y a 9 ans, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu d'autres morts après, Sarah Halimi comme d'autres. N'oublions pas. Ça fait partie de ces événements où on se souvient forcément tous où on était à ce moment-là, puisque c'était en direct à la télévision. C'est quand même assez étonnant d'avoir ce direct qui a duré des heures. J'en ai un souvenir, quand on allait voir la famille, il y avait c'était une veille de Shabbat, et le lendemain, il devait aller à une bar mitzvah, le jeune qui est mort. Et donc, il y avait la télé avec les images en boucle. Et derrière, il y avait son costume. Il a dit à sa grand-mère, prépare-moi mon costume, comme ça, dès que je rentre, j'irai à la bar mitzvah. C'était apocalyptique. Et cette femme, ne comprenant pas, non, mais comment il est parti travailler, il a été tué. On n'a pas tué tout de suite, en plus, les conditions dans lesquelles il est mort. Et avec une scène terrible, sordide, pour montrer l'horreur de ces terroristes, il agonisait. Et je m'excuse de raconter ça, mais il faut bien comprendre. Et Koulibaly disait, mais ce que je fais, je l'achève. Et les gens disaient, mais laissez-lui une chance qu'il survive. Voilà. Mais il est mort malheureusement quelques minutes après. Quoi. Non, et l'autre était rentré uniquement pour tuer du juif, parce que il fallait tuer des juifs. Écoutez, en tout cas, c'est un hommage forcément. Vous faites bien d'en parler, parce que il faut en parler souvent. D'abord pour lutter contre l'antisémitisme, et puis contre quoi qu'il arrive, forcément le terrorisme. Deux sujets très importants. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Dans un instant, difficile de reprendre l'antenne juste après ça. La suite des vraies voix. On va revenir sur un sujet, sur cette jeunesse et cette popularité de Gabriel Attal qui pèse lourd finalement dans sa nomination à la tête du gouvernement, et on va se poser la question, est-ce que finalement l'expérience est démonétisée en politique? Et pour en parler, Jean Petaut est avec nous, politologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Assez ému et touché par tout ce que vient de dire François Pupponi. Merci. Merci en tout cas. Petite question avant de faire cette pause. En politique comme dans la société civile, est-ce qu'il sale temps pour les seniors? Oui, c'est un des nombreux paradoxes peut-être d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que les Français travaillent le plus longtemps possible, mais d'embaucher des plus jeunes et de plus en plus jeunes. Allez, on en parle dans un instant. Ouais. Allez, à tout de suite, on fait une pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec Philippe David jusqu'à 19h, avec François Pupponi, Olivier Dartigolle et Philippe Bilger. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors oui, je suis jeune, j'ai 34 ans, mais je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. C'est le plus jeune Premier ministre de la 5e République, donc c'est un pari. Ah, le Rassemblement National, un jeune président, Jordan Bardella, il est populaire. Regardons ce que nous avons en magasin. On a un jeune homme populaire qui s'appelle Gabriel Attal. Vous savez, la jeunesse, c'est pas une recette miracle, c'est un atout. Je crois. C'est vrai que c'est le signe d'un rajeunissement ou d'une transformation générationnelle de nos élites politiques. Et c'est le plus jeune président de la République de l'histoire qui nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. S'est réjoui Gabriel Attal, 34 ans hier, en prenant ses fonctions. Le nouveau chef du gouvernement veut y voir le symbole de l'audace et du mouvement, un geste de confiance envers sa génération. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que l'âge, 34 ans, c'est un atout ou c'est un handicap pour Gabriel Attal? Est-ce que quelque part, aujourd'hui, quand on regarde les deux têtes de l'exécutif, sont plus jeunes réunis que le président des États-Unis? Est-ce que ça pose pas question? Est-ce qu'on n'y risque pas d'avoir un duel entre Gabriel Attal et Jordan Bardella à la prochaine présidentielle, qui auraient tous les deux moins de 40 ans? D'où cette question, Attal, Bardella, l'expérience est-elle démonétisée en politique? Eh bien, vous dites oui à 72%. Et on va en parler avec Jean Petaut qui est avec nous, hein, politologue. Bonsoir, merci d'être avec nous, Jean Petaut. Tour de table d'abord avec nos vraies voix, Philippe Bilger. Est-ce que finalement la jeunesse attire la jeunesse?
Merci de donner la parole au plus âgé. Au plus jeune de nous. Au plus sage. Au plus moderne. Au plus sage. Oui, plus sage. Mais sérieusement, moi, je n'ai jamais été un fanatique du jeunisme. Je dirais même que je déteste ça. Et je me souviens d'une phrase, enfin, je me souviens, j'ai lu la phrase de Goethe qui est assez juste. Si la jeunesse est un défaut, on s'en corrige vite. Mais en réalité, je me demande d'abord si cette focalisation aujourd'hui sur la jeunesse ne vient pas d'une lucidité que j'approuve sur la faillite ou les dysfonctionnements accomplis par les personnes plus mûres dans un certain nombre de domaines. Elle n'arrive pas par hasard, cette jeunesse. Et puis, une fois que j'ai dit ça, il me semble que la jeunesse en matière politique, puisque c'est véritablement le registre que vous évoquez, ne démontre rien, ni pour ni contre. Si j'avais tout de même à énoncer peut-être un risque, je dirais que, aussi brillante que soit la jeunesse, lorsqu'on lui confie des missions considérable, naturellement, elle ne peut pas avoir l'expérience, par exemple, je vais dire, d'un président que j'aimais beaucoup, Georges Pompidou. Donc, il y a peut-être des limites sur le plan de l'expérience. Olivier d'Artigolle. Oui, je suis indégrottablement encore du vieux monde. J'aime bien la politique quand il s'agit d'un débat politique portant sur le choix de société, tranché par le suffrage universel, que le président nomme un Premier ministre et que l'article 20 de notre Constitution est respecté, que le gouvernement conduit la politique de la nation. Mais vous allez me dire, tout ça n'existe plus avec une hyper-présidentialisation. Je souris un peu de voir que le plus jeune président de la République est obligé d'aller chercher cette image de la jeunesse pour relancer un second quinquennat dont je ne sais pas, suite à son discours après son élection ou de ses vœux lors de la fin d'année, ce dont il veut faire. François Pupponi. Moi, je crois qu'on est en train de connaître peut-être la fin du politique. Parce que mettre quelqu'un de jeune ne me pose pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre quelqu'un de compétent. Oui. Qui est capable de comprendre les dossiers. Pas capable de prendre les bonnes décisions, hein, de comprendre. Moi, l'expérience, j'ai vécu. Oui, c'est l'expérience. Enfin, moi, j'ai vécu. J'étais très proche du ministre Oskan, et je voyais bien comment, lorsqu'il était à Bercy, par exemple, lorsque les énarques arrivaient pour le prendre en triangle, pour lui expliquer que ce qu'il voulait faire était impossible, on n'y arriverait pas, lui était capable de dire attendez, non, si, on va y arriver, et voilà comment on va faire. Parce qu'il avait des compétences qui, parfois, étaient supérieures à son administration. Je connais maintenant beaucoup de ministres qui n'ont aucune compétence pour contredire leur administration. C'est inquiétant. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils sont pas compétents dans leur domaine. On les nomme ministres, ils vont pouvoir bien dire ce qu'on leur a appris, mais sur le fond, quand l'administration va leur dire « Ah, ça, vous pouvez pas faire », ils ne sont pas capables de contredire l'administration. Et moi, ce que j'espère de Gabriel Attal, c'est qu'il ait cette compétence. Après, je suis un peu entre guillemets, parce que là, il va quand même devoir gérer des dossiers qui sont des dossiers où on doit être capable de contredire, parce que sinon, c'est la technocratie qui dirige. Et c'est pour ça que je dis que c'est la fin du politique, peut-être. Enfin, j'espère que non, mais peut-être. Puisque les politiques ne sont pas capables de contredire les technocrates, et donc c'est les technocrates qui vont diriger. Jean Petaut, c'est les technocrates qui vont diriger, mais est-ce que c'est pas le cas depuis déjà un certain nombre d'années? C'est ce que j'avais peut-être envie de répondre à M. Pupponi. La puissance et le poids de la technostructure hein, politico-administrative est tout à fait essentiel. Alors, en même temps, est-ce que le fait que Gabriel Attal n'ait que 34 ans, est-ce que ça joue sur son éventuelle compétence? Bon, sur son expérience, ça c'est certain, hein, voilà, ça c'est Philippe Bigère l'a fort bien dit, hein, et entre nous soit dit, c'est un sujet qui est très ancien, hein, on a tous des souvenirs de tragédies classiques, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, le CID a été confronté à ce problème-là, hein, en son temps, voilà, donc c'est un débat qui est effectivement assez permanent. Je crois aussi qu'il faut quand même rappeler, même si on pourrait penser que je dévalorise ici et la fonction
de Premier ministre ou la fonction de ministre, c'est l'importance, par exemple, d'un directeur de cabinet. C'est pas un hasard. Si à chaque renouvellement maintenant et le changement de Premier ministre, ça, c'est pour le coup, c'est plutôt nouveau, il y a tout un débat sur qui va-t-il prendre comme directeur de cabinet. Il faut bien comprendre... Qui va être nommé par l'Élysée, plutôt. Oui, c'est l'Élysée, c'est Emmanuel Macron. Exactement. Mais c'est exactement. Alors, je pense que c'était sans doute aussi la tradition, enfin, la coutume ou la pratique antérieure. Je suis pas persuadé que, par exemple, Laurent Fabius ait eu tout à fait les coups des franches. Je prends là le précédent plus jeune Premier ministre en 1984. Quand il a été, quand il est rentré à Matignon, on lui a collé Louis Schweitzer, ce qui était d'ailleurs un excellent choix, comme directeur de cabinet. Mais bon, ça faisait partie en quelque sorte du paquet, du package. Bon, on a une telle quelque part ignorance de ces fonctions qui ne sont pas du tout occultes, qui sont des fonctions tout à fait officielles, mais qui sont stratégiques et essentielles, que même en français, y compris chez les universitaires, et j'en ai connu un certain nombre, alors c'est pas forcément des références, parce que les universitaires ignorants, il y en a quand même beaucoup, la confusion se fait entre directeur et chef de cabinet, par exemple. Entre directeur et chef de cabinet, on emploie le terme l'un pour l'autre. Bon, ce qui est absolument pas le cas. Le chef de cabinet, c'est un intendant du cabinet qui gère en particulier les affaires réservées et le calendrier, l'agenda, c'est essentiel, du ministre. Le directeur de cabinet, c'est aussi bien pour un premier ministre que pour un ministre, c'est le ministre bis. C'est lui le vrai patron. Or, on peut pas dire que Emmanuel Moulin soit un perdreau de l'année. Vous avez vu le parcours d'Emmanuel Moulin, c'est véritablement le prototype du haut fonctionnaire. Tout à fait, j'allais dire, capé et expérimenté. Donc je pense qu'il faut remettre un peu les choses en perspective, et je termine, parce que je ne voudrais pas être trop long, pour dire que ce n'est pas forcément nouveau qu'il y ait comme ça des jeunes qui arrivent sur le devant de la scène. Je rappellerai que Pierre Mendès France a été ministre, on me dirait c'était le plus jeune docteur, le plus jeune avocat de France, mais il a été ministre à 27 ans, secrétaire d'État au Trésor, sous Vincent Auriol, comme ministre au moment du Front Populaire. Jean Zay a été un ministre extrêmement jeune, et je pourrais donner des exemples européens. Le plus drôle, c'est un dénommé Kurz, Sébastien Kurz, chancelier d'Autriche, en 1917, à 31 ans. Bon, il a fait 3 ans, il est tombé pour corruption, vous me direz. Ce qui prouve que là, pour le coup, on peut être corrompu et jeune aussi, d'ailleurs. Bien sûr qu'un ministre a besoin d'une technostructure, et c'est évident sur le fonctionnement de l'administration, sur les compétences. Mais si ce jeune ministre ne s'entoure pas aussi d'autres personnes qui ne sont pas des technocrates, il n'aura qu'un son de cloche. Et s'il n'a qu'un son de cloche sans forcément l'expérience, à un moment, on sait très bien, c'est que la technostructure qui prend le dessus. Donc il faut être capable d'avoir d'avoir les deux oreilles ouvertes et que ce ne soit pas les mêmes qui parlent aux deux oreilles. Quand on voit une forme de sénilité qui fait peur aux États-Unis entre, de mon point de vue, un risque de folie et quelqu'un qui risque un jour de s'effondrer carrément, et que on voit cette appétence pour les jeunes, et à votre avis, est-ce que cet investissement donné à la jeunesse en France, notamment avec Gabriel Attal ou d'autres, est-ce que c'est de nature à rapprocher le citoyen de la politique ou ça n'a aucun effet là-dessus? Vous auriez certainement raison, cher Philippe, si par exemple on constatait que dans la tranche des 18-25 ans et des 25-35 ans, il y avait une envie, par exemple, de participer à l'exercice démocratique. Or, ce qu'on constate, c'est que ces catégories d'âge sont celles qui sont les plus abstentionnistes et qui ne sont donc pas particulièrement en tous les cas intéressées par la politique telle qu'elle se fait, y compris d'ailleurs quand elle est faite par des jeunes, parce que effectivement Emmanuel Macron était quand même bien le plus jeune président de la République, Cécile l'a fort bien rappelé, élu sous la cinquième en 2017. Et ceux qui votent le plus sont les catégories à partir de 60 ans. Alors je suis pas persuadé que les plus de 60 ans, donc électeurs massifs, relativement massifs, soient tout à fait passionnés par l'arrivée d'un jeune aux commandes du gouvernement, même si, comme l'a très bien dit l'ami d'Artigol, l'article 20 et le 21 s'appliquent relativement peu maintenant dans les faits. Ça fait réagir au 0826 300 300 direction le Tarn-et-Garonne. Bonsoir Hugues. Bonsoir Hugues.
Oui, bonsoir les vraies voix, merci de me faire parler. Avec plaisir, on vous écoute. Mais ne dites pas tout, on vous fait parler, mais ne dites pas tout. N'avouez jamais. Non, jamais, jamais. Mais alors, en quelques grandes lignes, ça fait depuis ce matin, depuis hier soir même, qu'on nous rabat les oreilles là, avec la grande jeunesse de M. Attal, etc. Mmh. Bon, alors moi, je peux en parler, parce que j'ai son âge, à une vache près, je suis agriculteur. Alors, moi, ce qui me choque quand je regarde M. Attal, c'est pas son âge. Il y a des gens de mon âge qui sont brillants et talentueux, et je les félicite, mais c'est justement on ne sait pas s'il est bon. Parce que quand on regarde son CV, cet homme-là, il s'est contenté, après son école, d'être parachuté tous les un an et demi. Il n'a jamais été plus d'un an et demi à un poste. Mmh. Comment savoir si quelqu'un est bon? Comment savoir ce qu'il a dans les tripes? C'est un type qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Alors, je ne lui demande pas d'être agriculteur ou mécano, mais même de faire une autre profession. Mais c'est un type qui n'a jamais rien fait de sa vie. Et tous les un an et 6 mois, il change de poste. Comment savoir si quelqu'un est bon? Et si vous me permettez une petite expérience personnelle, moi, avant d'être agriculteur, j'ai été pendant un paquet d'années, bon petit paquet d'années à l'armée. Mmh. À l'armée, vous n'avez aucun cadre, officier ou sous-officier, dans l'armée de terre, qui reste moins de 2 ans à un poste. C'est-à-dire qu'il faut moins 2 ans pour juger si le gars est bon. Et ouais, c'est ça. Alors après, les colonels, 2 ans, bon, ça dépend des plans de carrière. Mais quand vous avez un cadre qui arrive, le type, vous voyez dans son petit CV qu'il s'est fait dégager de son poste tous les ans et demi, mais ça veut dire qu'il est nul. On ne peut pas savoir s'il n'a pas pu montrer qu'il était bon. Voilà. Olivier Dartigolle veut réagir, C'est intéressant parce que le cheminement de Gabriel Attal depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il dit d'ailleurs, je dois tout à Emmanuel Macron, ne nous permet pas de questionner son bilan. Alors c'est un débat que j'ai depuis 2 jours avec Philippe Bilger qui me dit que vu la crise politique et démocratique, le verbe, le dire est déjà une action. Mmh. Mais je ne connais pas son bilan comme au compte public. Je ne connais pas son bilan réel à l'éducation nationale. Excusez-moi, au compte public, ils se sont gravement dégradés sous le premier quinquennat Macron. J'accorde à Gérald Darmanin, je ne sais pas si vous en souvenez, d'avoir réussi le prélèvement à la source. Oui, rappelez-vous ce qu'on nous avait dit sur cette séquence-là. Et pourtant, je ne suis pas très proche politiquement de Gérald Darmanin. Mais ce que je veux dire, c'est que l'itinéraire, c'est un constat que je fais. Ce n'est pas pour déprécier sa nomination. Concernant le nouveau Premier ministre, fait que la communication politique a véritablement pris le dessus concernant l'exercice de la politique, et je ne sais pas si nous ne sommes pas sur un basculement. Jean Peutot. Oui, il y a un spécialiste, on va dire, c'est un linguiste à l'origine, il s'appelle Austin, qui a écrit un livre, je vous fais grâce du titre en anglais, dans la traduction en français, et quand dire, c'est faire. Hein. Et c'est ce spécialiste de la communication politique et d'ailleurs de la science du langage qui a défini ce qu'on appelle les actes de langage. Hein. D'où l'importance, on va dire, de certains nombres de mots, de termes prononcés à certains endroits. L'exemple qu'il donne le plus facile, c'est en mairie, quand le maire, avec une écharpe, dit à un monsieur, à une dame, à deux dames ou à deux messieurs maintenant, heureusement, je vous déclare mari et femme ou époux, eh bien, ils sont mariés, de fait. C'est un acte. La parole devient un acte. C'est un acte de langage. Bon. Donc, c'est très particulier. En politique, c'est vrai qu'aujourd'hui, et encore une fois, je pense pas qu'il y ait de bascule, Olivier. Je pense qu'il y a une tendance qui s'accroît, qui se conforte et qui se confirme. Il y a effectivement un poids des mots, très 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 fort, très très clair, et d'une certaine façon, dire les choses, eh bien, ça revient à faire croire qu'on les fait. Alors, pour revenir au parcours de Attal, c'est effectivement le prototype du professionnel de la politique. C'est un apparatchik, Il sort de Sciences Po Paris, il intègre très vite la collaboration d'élus. Je ne sais pas si vous l'avez connu d'ailleurs, François Pupponi, on le dit qu'il était dans l'entourage de Strauss-Kahn. Voilà, moi, j'en ai connu des pelletés.
des pelletés de jeunes gens comme ça. C'est toute la génération Guérini, Cédric O. Exactement. Et ces journées, etc. etc. Bien sûr. Bon, donc, vous savez. Ismaël Emilia, attention, il nous reste 20 secondes. Allez-y, Jean. Donc, c'est juste pour dire que on ne peut pas juger l'homme à ses actes. Je suis d'accord. On peut le juger à ses capacités, à sa capacité rhétorique, et on va bien voir. Maintenant, je pense qu'il peut pas dégager au bout de 6 mois, même si les européennes se passent mal pour lui. Merci beaucoup, Jean Poteau, d'avoir été avec nous pour cette analyse politique. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci, Olivier D'Artigol. À mercredi. Merci, François Pupponi. Vous revenez quand vous voulez. Et Les Vraies Voix, ça continue avec Philippe David, bien entendu. On va revenir sur un sujet très controversé, le nucléaire français. Avec un spécialiste que vous connaissiez bien dans Les Vraies Voix, c'est Loïc Lefloc-Préjean qui sera avec nous. Le nucléaire est-il trop risqué? Peut-on s'en passer à long terme? Débat intéressant dans quelques instants jusqu'à 20h. Allez, à tout de suite, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 20h.